Oh mon Dieu, je suis tellement excitée! Je suis ici au Music Center de Los Angeles, qui est un des trois plus grands centres de spectacle des États-Unis. On est ici parce que les Sept Doigts de la Main, un collectif de cirque d'auteurs fondé à Montréal en 2002, y présente le spectacle Trace. Alors, on est ici avec la chorégraphe et metteur en scène, Shana Carroll. C'est la main de qui a sept doigts au juste? Mais vous savez pourquoi on est... On sait... OK, c'est une blague. Justement, j'ai remarqué dans la chorégraphie, tu as intégré le basketball, oui. La planche à roulettes. Pourquoi on n'a pas intégré une partie de hockey québécoise? Oui, mais... Mais en fait, les jeunes originaux qu'on a fait le spectacle avec, c'était quatre Américaines, quatre garçons de San Francisco, avec une fille française de Paris. Alors même si nous, la compagnie est québécoise, ces artistes, ils faisaient du basketball, ils faisaient du skate, alors, et ils jouaient du piano. On a fait ces éléments-là parce que les autres, ça faisait partie de leur vocabulaire. Oh mon Dieu, on a la chance de parler avec trois des acrobates du spectacle. Alors je les laisse se présenter. Bonjour Mathieu. Valérie. Philippe. Alors, dites-moi, est-ce qu'il y a une différence entre jouer devant une salle remplie de Québécois et une salle remplie d'Américains? Le public québécois réagit vraiment bien. Le public américain réagit souvent à d'autres genres de jokes. C'est dur de comparer d'un soir à l'autre. Dans la même ville, ça peut changer tellement. Mais disons, est-ce qu'on est un peu meilleur comme public au Québec? C'est sûr qu'on est meilleur. C'est officiel, ça. C'est bon. Toi, t'es la seule fille. Est-ce que c'est vraiment difficile ou est-ce que c'est les meilleures années de ta vie? C'est les meilleures années de ma vie. Ouais. C'est ce que je me disais. Ouais, non, c'est génial, là. Être avec six gars tout le temps, à chaque jour, se faire pitcher partout. C'est... Ah. Ouais. Dites-moi, ça prend combien d'années d'entraînement pour être capable de faire toutes ces cascades? Plusieurs années d'entraînement. On a tous fait des écoles de cirque. Disons, comme en 5 minutes d'entraînement, qu'est-ce que moi, je pourrais faire ici, maintenant? Phil, il peut te porter? Je pourrais. OK, one moment, we're gonna come up with something. Ouais. Parce que sauter, ça va, la robe va... Ouais, comme un... Ouais, un de... Puis moi, je peux te poser des questions. Mesdames et messieurs, je suis acrobate! Woohoo! Directement d'Hollywood, nous sommes deux femmes à Hollywood et nous vivons le rêve hollywoodien!